Owen? Y'a que moi. Qu'est-ce que tu fais debout? Je changeais les pansements d'Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent? Je t'emmerde, Yara. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de ne pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi? Il a peut-être gobé ton numéro avec des gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tiche de deux scars? Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le T'es reconnais. T'es une ordure, Abby. Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Abby? Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lev s'est calmé. Ça ira. Bon. Tu veux bien m'aider à le chercher? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là.
Alors là, on a assisté à un échange des plus explosifs. Est-ce que je peux ouvrir la porte? C'est la meuf qui a pas compris et qui veut la suivre quand même. Écoute, j'ai pas fini avec toi, hein. J'ai pas fini de régler nos comptes. Tu vas revenir tout de suite, je vais dégommer. On vient d'affronter un gros boss là. C'est pas pour faire semblant. Ou pas, ça se trouve. Après, Abby a kiffé Owen, hein. Puis Owen kiffe Abby, Meg! donc. Lève et lève-toi! Pardon. Lève! Reviens, s'il te plaît! Les enfants de ta vie. Pourquoi Lève veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Ah, c'est Il a vrai que la raison, c'est daronne. triste. Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Faut mettre la daronne à l'abri. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Pour l'aider? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev! Lev! Je suis désolée! Lève, viens ici! Je suis désolée, baby, mais c'est pas ce que tu crois. Mon amour pour toi s'amplifie à chaque fois. C'est sympa ça. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait dedans avant, mais c'est sympa. C'était des méduses. Lève! Lève! Lève, viens, s'il te plaît! Nous fait chier de Lève à faire sa crise là. Critique aux épaves. Lève! 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 Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche déjà okay. un peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Il a dit ça pour être gentil. Je sais pas comment te remercier. C'est pas la peine. Tout ça, je l'ai fait pour moi. Y a pas une petite pièce? Chocs. Tu as entendu? Lève! C'est là-dedans? Hey, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, Alice? T'as trouvé quoi? Elle te fera pas de mal. Viens, regarde. Va chercher. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Tu veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein? Non, pas de danger. Je peux recommencer. Je crois qu'elle demande que ça. Oh!
C'est mignon, elle Pourrait le chercher. fait tour après tour. Je peux pas te caresser? Bon, ok. Petite interaction avec le toutou là. Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler Lily. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis c'est raser le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. J'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. Alors là, le marier alors qu'il a 13 ans, je crois. C'est pas fou, hein. C'est où Santa Barbara? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île? On ne la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Et
Ça t'en dit quoi? C'est parfait. Mel a tort. Tu sais, t'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Ah, c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Elle ne comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout. Écoute, je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Bah écoute, Mel, ouais. On voit qui il préfère. Voilà la marina. Tu te sens bien? Ça va. Ok. Ok. Cet endroit. On y a marqué. Là, on peut descendre. Ici, on peut remonter. Est-ce qu'on a une petite pièce? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de faire le tour. Encore une fois, ça choque qui? Ça choque personne. Kansas. Donc ouais, on a pris nos clics et nos claques et on se taille. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chier ces gosses, hein. Entre on doit sauver sa sœur, aller chercher des trucs, revenir, l'autre qui se barre, qui nous fait un petit caca nerveux pour mettre la daronne à l'abri. C'est trop loin. C'est pas folichon, quoi. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais passer par là, non? Ou par là? Viens. Je tends la main comme si elle allait... La meuf vient de se faire opérer il y a même pas longtemps. Et genre elle est au calme en train de courir. Ok. Comment on fait? On va pas me tomber là sans se faire tuer.
Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres ? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis ? Non. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Les autres ont déjà envie. En même temps, c'est sa mère. Peut-être, mais ça, elle s'en contrefiche. Pas mal ça. Pas mal parce qu'on peut augmenter ça. On va augmenter, ça, qui est amélioré. Stabilité de l'arme peut-être. Comment on fait pour aller à la marina? On dirait qu'on va devoir faire le tour. Suis-moi, c'est par là. C'est par là. Elle va pas aller dans l'eau. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard. Oh, j'ai plus. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que je peux aller là? Non. Ok. On va passer par là. Hein. Je suis là. Youhou. Waouh! Attendez, ça c'est super intéressant. C'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Par ici. Ouais, je suis là. Elle serait passée par là, d'accord. Écoute, ma foi, je vais le faire pour toi. Attends. Et on se retrouve encore une fois dans des égouts. Ok. Yara, ok. Alors on peut soit aller là, soit aller juste en fait là. Ok. J'arrive pas à passer. Les bateaux sont de l'autre côté là-bas. Faut qu'on remonte et qu'on retourne par la route. Ok, ça marche. Yara. On a une cuisine. Petit kit de soin, un petit truc là. Anati. Ouais. Vicky, sois prudente. Mon bateau a essuyé. Attends. Vicky, sois prudente. Mon bateau a essuyé deux fois des tirs aujourd'hui.
Je te conseillerais bien d'emmener le chauffeur plus au large, là où l'eau est forte et tu risques de rendre plusieurs fois ton déjeuner. Mais c'est mieux que de se faire buter par un sniper Scar. Il faudrait se battre pour récupérer l'écloserie. Je sais pas ce que ça veut dire. L'écloserie, pardon. On cherche les ennuis à s'aventurer aussi loin en territoire des Scars. Isaac a perdu la boule ou quoi. Peut-être qu'à la fin de notre service, on devrait demander à se faire réaffecter, plutôt éplucher toutes les patates du monde plutôt que de retrouver à nouveau. De Oula! Je suis fatiguée. Je t'en prie, fais attention, on se voit au bercail, Kent. Lecture n'est pas du tout fluide. Hein. On a du mal. On a du mal. Que je peux crafter des choses? Non. Ah, je peux passer par là? Non. Et ici non plus, je crois. Non. Ok, on va prendre l'échelle. Comment on va monter l'échelle là, une main? Reste sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, je peux t'aider. Pas cette fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mobs? Mani! Oui, pourquoi t'es là? Mani? T'es venu seul? Ouais. Merde. Ce sniper, c'est un putain. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Des canons, on devait attaquer l'île cette nuit. Ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canons. Maintenant! Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Planque-toi! Bon, pour avancer petit à petit, je pense peut-être le rejoindre. Steve a buté toute mon équipe. Abby! Oh putain. On va le choper. Par ici. Si. Faut que je cours plus vite, peut-être. Je vais un peu à pied. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont. Il fait mal, hein. Bon. Je l'abuse peut-être, mais. Ils font un max de dégâts. Allez, allez! C'est Tommy, vous pensez? Quand tu parles d'un truc? Et merde. Et maintenant? Mais je me noie? Il est passé manier. Ok. Pas comme ça.
Attendez, on va refaire. J'espère qu'on fait, on refait pas du début, enfin, genre, au moins la moitié, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est bon, ça me va. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je prenne ce petit liquide, franchement? Franchement. Mais je sais pas d'où tu me tires en fait, parce que t'es pas censé me voir là. C'est quoi le plan? Bien, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Le chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Mais attends, mais je suis pas censé mourir. Je fais de la D. Dans le garage. On peut se servir de ça. Attendez. Vas-y, je te suis. Allez. J'ai vu quoi? J'ai vu un truc, non? Un truc qui s'affichait. Vas-y là. Chier. Attends. Je peux pas rentrer? Si. Je crois que j'avais vu autre chose. Là-bas, il y a... Tout ça pour avoir un kit. Et pour m'en mettre un. Oh. Bon, écoutez. Faut bien que j'utilise ma compétence, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai de quoi améliorer quelque chose. Ok. Bon, Lucie. C'est bon. Je me mets derrière. Est-ce que je m'en mets un kit de soin? Quoi? Attends. On va remettre un kit au cas où. Le chariot tombe en morceaux! Ah ouais, j'aurais peut-être dû couvrir encore plus. Putain de merde! Comment t'as fait ça? Un coup de balle? Putain, il est doué! Sans déconner. C'est ces amis qu'il faudrait attaquer. C'est maintenu? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Merde. Oh, on a du feu. Voilà, attendez. Eh bien, écoutez, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a eu quelques petits fails. Et moi, je vais vous dire que la suite sera assez coriace. Il va se passer des choses. À votre avis, qui nous tire dessus? Eh bien, je vous laisse sur ce suspense et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bye bye!